continue. Salut à tous, c'est Ralga pour ce 7ème épisode de Regard dans le rétro sur Pokémon Jaune. Donc, comme d'hab, on reprend là où on en était. Donc, nous sommes devant la grotte. Et on va pas perdre de temps, parce que c'est vraiment l'une des zones les plus insupportables du jeu. Donc, on a besoin de flash que j'ai appris à Papillusion. Je vais utiliser du repousse pour pas être trop embêté par les Nosferapti et les Racaillou. Et puis, bah, en avant Guingamp, hein. Donc voilà, direct un dresseur. Alors je vais essayer de faire la grotte le plus rapidement possible. Parce que comme je disais, je déteste cet endroit et j'ai quelques souvenirs de la zone quand même. Et donc je devrais te prendre le bon chemin assez rapidement. Donc là, pourquoi je fais griffe et pas tunnel? C'est qu'en face, Ocelot était un Pokémon sol. Et du coup, tunnel étant une attaque sol, ça lui fera pas grand chose. Donc, autant y aller à la griffe. Voilà. Hop, Rabolos. Au psy, si je dis pas bêtise, à moins que ce soit que Flagados qui récupère le psy. Je ne sais plus, mais bon. Hop, un petit tunnel. Hop, ça devrait être bon, en effet. Bon, ce dresseur va pas nous poser trop de problèmes. Et là, je dis merci au trio Picker. Donc, en fait, comme ça va passer large, je pense, je vais mettre le Salamèche en premier. Pour essayer de l'up un peu. Hop, un Pokémon sauvage, qu'est-ce que c'est? Un Racaillou! Non, merci. Non, merci. Hop, prenez la fuite, me fais pas chier. Purée. Un Machoc. Même si level 18, il m'intéresse pas. Oui, parce qu'en fait, bon, un dresseur que je peux pas éviter. Parce que j'ai déjà à peu près ma team finale en tête. À peu près, hein, parce que ça dépend des aléas et de ce que je vais croiser. Mais l'idée, j'ai à peu près ma team en tête. Et Machoc n'en fait pas partie. Hop, voilà. Je peux plus faire tunnel, bon bah je vais faire griffe. Bon, ça va être un peu... Wow, attends, choc mental. Bon, ça va être à peu près le coup au choc mental. Hop. Aïe. Bon, super potion. La première. Parce que du coup, de mettre Salamèche en premier et de switch direct, ça fait que Trio Pooker font forcément un coup avant d'attaquer. Même si il a un bon pool de PV et quelques levels en plus, bah à terme, bah. Super gros yeux, très utile. Donc je disais, au bout d'un moment, il prend quand même un peu cher. Hop, et je peux pas l'éviter. Donc qu'est-ce qu'on va croiser? Mystère, du plante. Je vais tenter d'y aller au Salamèche directement. Flamèche. Oh, c'est très efficace. Non, je suis pas d'accord la poudre toxique là. Donc je vais y aller au trio picker, hein, encore. Ouais, trio picker.
Mystherbe, un plante poison. Oh purée, puis une attaque plante. Du coup, à cause de son double type poison, il est sensible aux attaques sol. Si je dis pas bêtises. Enfin, disons que le bonus. Enfin. Le bonus apporté par le type plante par rapport au type sol et le malus du type poison par rapport au type sol se neutralise. Et du coup, je lui fais des attaques normales. Donc, même problème avec Bulle Bizarre. Enfin, si on peut appeler ça un problème. Hop. Vampigraine. Ok. Bon bah tunnel. Hein. Ah tiens, l'effet de Vampigraine marche quand on est en tunnel. D'accord. Oui, on va oui. En soi, oui. J'ai pas évité l'attaque, c'est juste que je suis plus là. Ok. Donc un nouveau dresseur d'éliminer. Faut que je soigne un peu mon triopiqueur. Je sais plus combien il me reste de super potions. 7. Bon, ça devrait le faire jusqu'à la fin de la grotte, je pense. Bon, on y va. Oh purée, ça va, il y a le poison. Un racaillou. Bon. Fuyons. Repousse terminée. Bon, je vais en remettre. Ça m'évite pas les combats aléatoires, mais ça en évite une partie. Ceux qui sont trop bas level, en fait. Où est-ce qu'il faut que j'aille déjà? Oula, un dresseur ici. À droite, peut-être. Je sais plus. Purée. Bon bah, prenons la fuite. Mais vous allez me laisser avancer? Ah, un Nosferapti, wow. Hop, ça doit être ici. C'est ici. Je vais maintenir le Salamèche en vie. Parce que j'aimerais bien qu'il gagne de l'XP quand même. Si possible qu'il évolue en Reptincelle. Level 15, 16 par là, je sais plus. Sachant qu'il est level combien là? 15 je crois, 14. Enfin, hop. Elle, je peux l'éviter. Repousse terminé. Bon, on va en mettre. Hop. Lui, je peux les. Non, je peux pas l'éviter. Hop. Un racaillou. Bon bah. Triopiqueur encore. Hein. Sachant que le type sol l'emporte sur le type roche. Du coup je devrais lui faire des gros dégâts. C'est ça. Un critique très efficace. Donc un beau one shot des familles. Salamèche level 16, ok. Racaillou. Je vais changer, je vais remettre le Salamèche encore. Et je remets le triopiqueur. C'est original, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'être un crisacier qui fait armure. Ouh, bordel de... ça fait mal. Ça fait... Ouh, il a survécu. Piouf! J'aurais été un peu dans la mouise sans mon triopiqueur. Hein, parce que je suis quand même underlevel avec les autres Pokémon. C'est...
J'imagine pas si ça avait été une destruction critique. Hop, voilà. Faudrait qu'il survive là, charge. Bon, charge a échoué, ok, bah tant mieux. Hop, en avant, triopiqueur. J'ai pierre, donc ça, ça me fait rien normalement, c'est ça. Et un petit tunnel. Il va falloir que je fasse gaffe parce qu'il a plus beaucoup d'attaque tunnel quand même. Hop. Salamèche, niveau 17. Donc il devrait évoluer à la fin du combat. Pas triopiqueur par contre. Hein. Hop. Hop. Voilà, Salamèche évolue. Voilà, blablabla. Salamèche évolue en Reptincelle. Non, c'est pas possible. Et on y va. Comment est ma team? Du coup, maintenant que j'ai obtenu le Reptincelle, je vais essayer d'up le Nidoran. J'aimerais bien qu'il devienne un Nidoking. Hop, donc on évite les dresseurs. Au revoir le Machoc 17. Hop, on va prendre la fuite. Donc là, ces dresseurs, on peut les éviter. Donc on va pas se gêner. Purée. Oh, un Ossarapi. Bon, allez. Est-ce que je le tape? Ah, ok, fuite impossible. Donc j'ai pas le choix, je dois le taper. Je vais y aller au triopiqueur. Hein. Hop. Pas de tunnel parce qu'il doit être insensible aux attaques tunnel à cause de son type vol. Oh merde. Crotte, zut, pardon. C'est bon, j'ai pu lancer l'attaque quand même malgré la confusion. Hop. On enchaîne. Elle, je ne peux pas l'éviter, donc on va y aller. Miaous. Tiens, Miaous. Miaous. Ah, je peux en croire. Il y a des dresseurs qu'en ont, à part le Jessie et James. Il me semblait dans cette version, justement, que les Miaous et les Persions étaient remplacés. Tout comme les Smogo et les Smogogo, Arbo, Arbok. Pour accepter encore le côté unique des Pokémon de la Team Rocket. C'est pour ça d'ailleurs que je peux pas les attraper, je ne les rencontre pas dans la nature tous ces Pokémon. Bon bah on renvoie le Triopiqueur. Je dois être proche de la fin, donc ça ira. Hop, parasport, non. Ouf, elle n'a pas fonctionné. Ça, c'est bon. Ah bah, c'est un one-shot. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et Roucoul. Hop, je remets le Nidoran. Et... ouais. Et je pense que je vais ramener le Pikachu après. Ouais. Parce que Nidoran va en chier un peu. Hop. Oh. Oh, ça fait mal ça. Bon, j'enlève la moitié de la vie. Donc le prochain éclair qui passe, il meurt. Si je ne meurs pas, évidemment, avant. Bon. C'était juste. Hop, Nidoran, Pikachu. Hop, on y va. Bon, ça doit être la sortie là, si je me rappelle bien. Donc, hop. On prend la fuite et... on sort, c'est bien ça. Ah purée, c'est une dresseuse.
Zut. Ah, je pensais que c'était un PNJ, moi. Enfin, un PNJ non agressif. C'est embêtant, ça. Allez, Roucoule. Sachant que le Pikachu a pris un peu cher. De toute façon, je suis bientôt au centre Pokémon. Je vais soigner le Pikachu. Hop. Allez, Survinidor. Oui, c'est bien. Hop, Pikachu en avant. Ça va lui faire un peu mal. Ouais. Mais ça, ça va lui faire mal aussi. Ah, purée, jet de sable. Oh, purée, vieille attaque. Ça, c'est pas cool. Oh. Bah vive attaque. Vive attaque, je vais être... Oh non, 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 non. Aïe. Si j'avais fait vive attaque en premier, je serais passé. Enfin, si les vive attaque n'avaient pas échoué. Bon, ok. Bon, papy fusion. Hop, choc mental. Donc Cyclone ne sert à rien en combat entre dresseurs, ça permet de... si je dis pas bêtise, de quitter les combats contre les Pokémon sauvages. Hop, Roucoups. Roucoups qui devrait s'appeler Roucou en fait, pas, on devrait pas prononcer le S. C'est l'adaptateur VF... de Pokémon, celui qui a fait les adaptations de du jeu vidéo, puis de l'anime, puis du jeu de cartes d'ailleurs, qui a dit que normalement ça devait, il devait s'appeler Roucou, parce qu'il donne des coups. Mais dans l'anime, on entend bien Sacha dire Roucoups, et du coup le nom est resté. Hop, Dodo le Roucoups. Hop. Hop. Choc mental. Ah, ça n'arrive pas des masses. Mais il dort encore, donc on s'en fiche un peu. Hop. On enchaîne. Vas-y, continue à faire des cyclones, moi, pendant ce temps-là, je te fais mal. Hop. Ah, ça, c'est pas cool. Bon, ça va, il l'a bien tenu. Hop. Je vais... Non, j'ai pas rien à soigner, en fait. Il y a un item là forcément. Toujours sur les ronds, les trucs solitaires comme ça. Et nous voilà. Bon, j'ai fait du repousse, on s'en fiche. Et nous voilà à l'avant-ville. Allez, on va soigner tout ça. Ça va combien de vidéos? Un peu moins de 20 minutes, donc on va continuer un peu. On va sauvegarder quand même. Hop. Normalement là je devrais aller à Céladopol, mais je vais d'abord faire le combat contre le rival qui est au début de la tour Pokémon. Donc il est ici. Voilà. Parce qu'en fait, de toute façon, lui, il faut que je le fasse. Normalement, je vais pas avoir trop de mal à le battre. J'espère. Et si mes Pokémon sont un peu en dessous en level, bah, ils vont gagner plus d'XP, forcément. Hop. Ah purée, level 25, level 17. Oh, là, j'ai peut-être été un peu présomptueux.
Bon, fais que des trucs comme ça pour l'instant, moi ça me va. Allez, place de pique paralysée. On y va. Ah, c'est très efficace, mais je l'enlève que dalle. Alors que Fury, ça a puré. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah, le piqueur. Hein. Je peux même pas y aller au tunnel, du coup. Hop. Bon, la paralysie a au moins été utile pour un tour. Hop. Hop, on enchaîne. Voilà, à pure à passe de pique. Il est en niveau 15. Hop, on enchaîne Coquillas, donc un Pokémon ou. Ou peut-être Auglace, je sais plus. Il me semble qu'il chope le. Enfin, Crustabri au moins le petit glace. Coquillas, je sais plus. Enfin, de toute façon, faut que j'y aille au Cryptopicker, hein, peu importe le type. On va faire repli si tu veux. Moi, je vais te faire un petit tunnel. King de la def. Ah ouais, d'accord. One shot, ok. Goopix, un Pokémon feu. Bah, je vais continuer à up le Nidoran. Hop. Hop. Voilà, on switch. Vous voyez déjà avec un dresseur avec des Pokémon assez haut level. Bah. Nidoran par exemple a gagné, quasiment gagné un level par combat quoi. Hop. Il reste le Sablette, oui. Et l'Evoli, qui doit encore être un Evoli qui n'a pas encore évolué. Je sais plus à quel moment il évolue. Sachant que normalement il va évoluer en Voltali, si je dis pas de bêtises. En effet, sur Pokémon Jaune, l'évolution de l'Evoli de Régis est dépendante des premiers combats qu'on fait contre lui. C'est-à-dire que si on gagne tous nos combats, ce qui est notre cas, il va évoluer en Voltali du coup. Si on en perd un, il doit être en Pyroli, et si on en perd deux, on doit être en Aqualib, quelque chose comme ça. Ah bref. Et du coup, les autres Pokémon de la team s'adaptent en contrepartie pour qu'il ait en fait tous les types. Comme là, il va avoir un Voltali, il va avoir un Goopix Venard, et un Coquillas Crustabri. S'il avait eu en Aquali, il aurait eu un Goopix Venard et un Magnity Magneton. Pour enfin avoir toujours un Pokémon électrique, un Pokémon. Donc je disais un Pokémon électrique, un Pokémon feu et un Pokémon eau. Voilà. Ok, donc il apprend Darvenin. Bon, finalement, ça s'est bien passé grâce au Trio Picker. Hop. Ah, Nidoran évolue. Il était temps. Donc, hop, évolution Nidoran en Nidorino. Et on va en profiter. Bon, blabla, fin du combat. Avec la musique la plus perturbante du jeu. Pas celle-là, hein. Et du coup, le Nidorino évolue en Nidoking. Voilà. C'est assez... C'est assez intéressant comme Pokémon parce que ça, du coup, évidemment, quoi, à chaque fois qu'un Pokémon évolue, ses stats s'améliorent. Du coup, ça permet d'avoir un Pokémon au dernier stade d'évolution. Enfin, un Pokémon qui a 3 stades d'évolution et qui a le dernier stade d'évolution
au level 16 quoi. Donc c'est très intéressant, du coup il a des stats assez intéressantes pour son level. Hop. Donc nous sommes à 25 minutes de vidéo. Bah je vais sauvegarder déjà hein. On continue encore un peu. En fait, je vais faire le trajet jusqu'à Céladopol. Hop, sortons la bicyclette. Voilà. Alors, on va essayer d'éviter le plus de dresseurs possible. Ah purée, je pouvais pas l'éviter en fait. Bon, allez, un dresseur. Hop. Melofé. Ah tiens. Et Nidoki. Qui a Darvenin. Mais on va y aller à... Ouais, il a quand même 5 levels de moins, donc je vais y aller au trio picker. Je vais y aller safe. Hein. Hop. Hein. Voilà. Oh, je l'ai pas one shot. Bon, Torgnol, bon, même si ça attaque plusieurs coups, ça enlève pas des masses. Hop, une petite griffe. Voilà, a pu m'élofer. Hop. Mélofé encore. Du coup, maintenant, je vais essayer d'op le Salamèche. Reptincelle, pardon. Il est volé quand même. Le Reptincelle qui a quand même la vue de dos la plus moche du monde. Hop. Griffe. Bon. Qu'est-ce que je fais, moi? Ouais. Hop, ça mèche en premier. Et on est reparti. Donc on va couper... en coupant avec couple, ça fait beaucoup de coupe quand même. Hop. Voilà. Alors, génération supérieure, suffit d'appuyer sur A en étant collé à une... hop. Là, nous avons maintenant le tunnel. Ah si, je peux utiliser la bicyclette ici, c'est ce que je faisais. J'étais pas sûr. Hop. Hop. On repart. Et on arrive à Céladopol. Et puis du coup, vu où on en est dans la vidéo, eh bien, bah, on va s'arrêter ici. Je vais sauvegarder après avoir soigné les Pokémon. Donc partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Ivasound sur les réseaux sociaux, tout ça, vous avez le lien dans la description. Et puis à la semaine prochaine. Ciao !